L'œil Corbery est Sylvain Tesson. Il y a plus de 15 ans, j'étais moi-même un escaladeur de cathédrale. Je rejoignais parfois les membres d'un cercle d'acrobates qui me surnommaient le prince des chats. À terre, je me trouvais maladroit et indiscipliné. Sur les corniches, je devenais précis et soucieux de ne pas rompre le bel équilibre. Nous avions sur notre carnet de courses interdites des centaines de monuments français et européens. Nous grimpions chaque fois que nous prenions l'envie de nous évader de la ville. La stégophilie, l'amour des toitures, était notre salut, les clochers nos terres d'élection, les flèches nos rampes de lancement. Si nous grimpions toujours en silence, au milieu de la nuit, et vêtus d'habits sombres, ça n'était pas pour défier l'ordre, c'était même précisément par amour de l'ordre. Celui des bâtisseurs. Nous avions compris que les cathédrales étaient des équations. Nous admirions la science architecturale car elle use des mêmes lois que celles qui régissent la course des planètes. Et nous nous sentions si bien au sommet que souvent c'était l'aube qui nous en chassait. Aucune espèce de revendication intellectuelle, rien de situationniste dans l'escalade des cathédrales, pas de détournement de la ville à des fins artistiques. Pas de surréalisme comportemental. Ce qui nous intéressait dans Saint-Germain-des-Prés, c'était de grimper dessus, pas de penser dessous. Tout juste un salut lancé à Dada lorsque nous nous tenions pour rire en frac de soirée sur l'arête d'un chien assis, un autre à Chaplin, quand nous passions, anneaux de corde en main, devant le cadran d'une horloge au perché. Nous n'appartenions à aucune ligue, sinon à celle des chats de gouttière, qui préfèrent la nuit au jour le bord de l'abîme, au socle des plaines, la corniche à la niche. Nous grimpions parce que c'était beau et plus utile à nos âmes que de reposer nos corps dans un lit. Assurer son compagnon de cordée prend du temps. Parfois, nous restions de longs moments recroquevillés contre le parapet d'une coursive ou bien à cheval sur une fêtière comme sur une arête de neige, avalant le mou de la corde d'escalade. Alors, Venaient les questions sur les royaumes que nous visitions. Pourquoi l'Europe s'est-elle soudain couverte d'un manteau de cathédrale D'où est venue la subite maîtrise de la technique gothique Qui a inventé le principe ogival permettant de percer les murs de vitraux faisant passage à la lumière Qui a présidé au temps des flèches Ce triomphe du vide sur du plein. Qui a ouvert la loi Financé l'élan. Donner l'impulsion. Grimper sur le dos d'une cathédrale, c'est s'avancer dans une terra encore un peu incognita. Loïc Corbery. Merci beaucoup, Loïc. Merci. Merci de venu nous voir. Loïc Corbery de la Comédie-Française et que vous retrouvez dans les damnés en ce moment sur scène.